Je vous propose maintenant de découvrir plusieurs exemples, justement, M. Eskenazi les a évoqués, de financement du terrorisme. Le premier d'entre eux vous surprendra comme il m'a surpris. Il s'agit de la contrefaçon. Je propose à Mme Delphine Sarfati Sobrera de venir au pupitre, directrice générale de l'UNIFAB, Association française de lutte contre la contrefaçon et de promotion des droits de propriété intellectuelle. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors vous pouvez peut-être vous demander effectivement ce que c'est que l'UNIFAB. L'UNIFAB, c'est l'Association française de lutte anti-contrefaçon. On existe depuis à peu près 150 ans et on réunit plus de 200 entreprises membres de tout secteur d'activité. Et j'y tiens énormément parce que souvent quand on parle de contrefaçon, on imagine des produits qui sont issus de la mode ou des produits de luxe. Mais la contrefaçon aujourd'hui a changé de nature et ce sont des produits pharmaceutiques, des vins spiritueux, des jouets, surtout en période de Noël. Et nos quatre missions principales sont la sensibilisation du grand public, la formation des autorités publiques, c'est-à-dire que nous organisons nous coordonnons des formations pour apprendre vraiment aux douanes, à la police, à la gendarmerie, comment on reconnaît un vrai produit d'un faux produit. Et puis des sujets liés évidemment au monde digital, parce que aujourd'hui la contrefaçon, elle se situe beaucoup au niveau du numérique. Quelques chiffres sur la contrefaçon. Aujourd'hui, la France est le deuxième pays le plus touché par la contrefaçon. Il faut savoir que 80% des faux produits viennent d'Asie. La contrefaçon représente 2,5% du commerce mondial, à peu près 6% des importations dans l'Union européenne et en France, à peu près 40 000 emplois perdus chaque année. J'aimerais vous dire aussi que ces chiffres sont de plus en plus élevés. On voit aujourd'hui qu'il y a un accroissement des contrefaçons. D'ailleurs, la douane a saisi plus de 11,5 millions de produits l'année dernière. Et c'est bien parce que la contrefaçon est une activité extrêmement lucrative. Il faut savoir que les 6 États membres les plus, on va dire, impliqués dans la lutte contre la contrefaçon sont l'Italie, l'Espagne, la France et la Grèce. Et la France a saisi plus de la moitié des produits saisis en Europe l'année dernière. Alors, évidemment, l'accroissement de la contrefaçon, elle a des conséquences. C'est que les contrefacteurs, ils sont de plus en plus professionnalisés. Et tous les réseaux criminels et terroristes ont bien compris que c'était une activité extrêmement lucrative. Il faut savoir que 1 euro investi dans la lutte anti-contrefaçon, c'est environ 10 euros de bénéfices et ça va jusqu'à 100 euros dans certains secteurs d'activité, comme par exemple les faux médicaments. Donc, les terroristes, les réseaux terroristes et les grands criminels l'ont bien compris. Et selon l'ONU, il y a environ 4 000 milliards de dollars qui sont blanchis aujourd'hui par ces réseaux criminels grâce à la contrefaçon. Donc, on atteint des chiffres absolument incroyables. Alors, c'est vrai que lorsque j'interviens à une conférence comme celle-ci, et je vous remercie, Madame la Sénatrice, de m'avoir invitée, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'elle va venir faire là pour parler finalement de contrefaçon au milieu de ce sujet extrêmement politique, géopolitique, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez une contrefaçon sur un marché, à Vintimille, en Thaïlande, au Maroc, qu'on ramène ça finalement comme une anecdote de vacances. Hein. On se dit que ce n'est pas si grave que ça, parce que bon, ça ne nuit pas réellement aux grosses entreprises. Vous financez des actes que vous condamnez au quotidien et que nous condamnons tous au quotidien. Il est essentiel de faire passer ce message à chaque citoyen aujourd'hui, car on voit aujourd'hui plus que jamais à quel point les États sont déstabilisés à cause du terrorisme. Alors évidemment,
Évidemment, pour en revenir au sujet du financement du terrorisme sur la contrefaçon, il y a des liens qui sont aussi pratiques, puisque aujourd'hui, les réseaux qui sont utilisés pour vendre de la contrefaçon sont extrêmement diversifiés. Il faut savoir que ces réseaux criminels et terroristes n'utilisent pas uniquement les ventes à la sauvette sur les marchés comme ça l'était il y a encore quelques années, mais ils utilisent aujourd'hui aussi des réseaux de vente en ligne, des réseaux de vente qui sont soit entre particuliers, soit sur des grandes plateformes extrêmement connues, qu'ils arrivent à infiltrer. Aujourd'hui, lorsque vous achetez un produit sur une grande plateforme nationale ou internationale, et les plus connues, je ne citerai pas de nom, mais les plus connues et celles qu'on utilise tous les jours, il y a de la vente de contrefaçon. Et les vendeurs de contrefaçon sont des réseaux criminels et terroristes. Donc il faut faire extrêmement attention. Alors oui, ces plateformes se mobilisent pour lutter contre la contrefaçon. Oui, elles essaient de limiter ces ventes de contrefaçon, mais comparé à ce qu'on voit aujourd'hui sur ces réseaux en ligne, sur l'offre au niveau numérique, c'est peanuts. Donc, il faut vraiment qu'aujourd'hui, ce qui est vendu hors ligne, ce qui est interdit hors ligne, le soit aussi en ligne. Alors, au niveau des organisations terroristes qui utilisent de la contrefaçon, ce n'est pas nouveau. Hein. Nous, on a remis un rapport au gouvernement il y a maintenant 5 ou 6 ans. Il faut savoir que déjà, on avait fait des liens, et pas que l'UNIFAB, hein, évidemment, que ce soit, vous avez cité le FBI ou d'autres organisations. Le lien, il est fait depuis extrêmement longtemps. On a même déceler des spécialités de secteurs d'activité par réseau criminel. L'IRA, par exemple, s'est spécialisée dans les trafics de faux médicaments destinés à l'homme, mais aussi des produits vétérinaires. L'ETA a financé ses activités avec la vente de contrefaçons de vêtements et de maroquinerie. Les FARC s'était spécialisé dans la vente de faux CD et continue, parce que même si nous, on n'en achète plus tous les jours, les faux CD se vendent encore, et notamment chez les jeunes. Le Hezbollah, qui était spécialisé dans les faux jeux vidéo, les faux cigarettes, les faux médicaments, ou encore le trafic de faux timbres fiscaux. Et puis le Hamas, dont on a déjà parlé, effectivement, qui s'est spécialisé depuis un certain nombre d'années dans le trafic de faux médicaments, qu'ils pratiquent notamment avec la vente de faux captagons et également les biens alimentaires, parce que la contrefaçon n'épargne pas non plus les produits alimentaires, avec du faux lait pour bébé, avec des faux petits pots pour bébé et j'en passe, et des exemples aussi dramatiques. Donc, quelques exemples. Vous avez parlé, Monsieur Eskenazi, effectivement des attentats perpétués par les frères Kouachi. C'est quand même terrible de savoir qu'ils avaient été arrêtés par la douane pour trafic de fausses chaussures de sport et relâchés. Et relâchés pourquoi ? Relâchés parce que, malheureusement, encore trop de gens pensent que la vente de contrefaçon est finalement une activité qui ne nuit qu'à l'économie, qui passe sous le radar de toutes les autorités publiques. Alors, même si on a des autorités publiques de plus en plus investies, même si elles ont bien saisi, évidemment que les affaires de contrefaçon passent après de nombreuses affaires diverses et variées et d'autant plus dangereuses pour la sécurité. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, acheter une contrefaçon, c'est non seulement financer le terrorisme, mais c'est aussi prendre un danger pour sa santé, pour sa sécurité. Et il y a énormément d'exemples, notamment très très proches de nous. On parle souvent d'Asie, on parle de pays où la vente de contrefaçon est une activité non seulement tolérée, mais presque anecdotique. Pas besoin d'aller si loin. Hein. Vous allez au Puces de Saint-Ouen, et alors là,
vous avez des trafics, des réseaux qui sont démantelés régulièrement. Hein. Nous, on a fait fermer, grâce au procureur de Bobigny, une dizaine de magasins de l'avenue Michelet qui ne vendaient que de la contrefaçon. Il faut savoir que sur cette avenue, 100% des boutiques à Saint-Ouen, sur cette avenue, vendent de la contrefaçon. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en France, c'est encore toléré ? Alors que les JO sont dans 6 mois, alors que le village olympique se situe à 300 mètres de cette avenue Michelet, quelle image de la France va-t-on donner ? C'est vraiment la question qui est posée aujourd'hui. Et nous espérons beaucoup que les autorités publiques et notamment le ministre de l'Intérieur puissent aider les pouvoirs publics, puissent aider la collaboration, puissent encourager la prise de conscience de manière à ce que nous puissions arrêter de donner des coups d'épée dans l'eau lorsque il n'y a pas de secret, hein, lorsque vous fermez un magasin, lorsque vous fermez, vous démantelez ou vous faites des saisies dans des hangars à la Courneuve. Il y a encore 3 mois, plus de 200 000 produits ont été saisis. Ces produits étaient destinés à être vendus aux puces et représentaient des millions d'euros. Ces millions d'euros, ils vont directement dans la poche des réseaux criminels et terroristes. Et ça, aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est plus possible parce qu'il faut donc condamner la contrefaçon comme financement du terrorisme. Alors, quelques idées qui peuvent enrichir le débat. C'est d'abord conférer sur la base de la Convention sur le financement du terrorisme, comme proposé par le GAFI, le caractère d'infraction pénale au financement des organisations et individus terroristes, et puis promouvoir aussi l'adoption d'un avenant anti-contrefaçon à la Convention de Palerme serait une vraie avancée. Faire adopter par l'ONU une résolution condamnant la contrefaçon comme méthode de financement du terrorisme serait absolument indispensable de manière à ce que la sanction soit vraiment dissuasive. Et puis, évidemment, je vous dirai en conclusion que la contrefaçon est une activité qui peut parfois, malheureusement, être minimisée. Que la contrefaçon, quand on en parle dans des milieux divers et variés et très sérieux, paraît toujours finalement quelque chose d'anodin. Mais qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous a une responsabilité lorsqu'il achète en ligne, lorsqu'il achète sur un marché, lorsqu'il achète dans sa vie quotidienne, de vraiment faire attention à ce qu'il achète. Parce qu'aujourd'hui, acheter une contrefaçon, c'est financer le terrorisme. Et je crois qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a encore quelques semaines, nous avons tous une responsabilité et nous devons combattre ensemble le terrorisme pour que nos enfants puissent vivre, j'allais dire vivre mieux, mais vivre en fait tout simplement en paix, parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, à chaque fois que nos enfants sortent, on ait la boule au ventre, on les surveille, on leur dise « attention, où tu vas, où est-ce que tu es ?» Ce n'est absolument pas normal. Merci. Merci Madame Sarfati Sobrera. Je sais qu'il y a des représentants de grandes entreprises victimes de la contrefaçon. Monsieur ? Oui, bonjour. Merci d'avoir soulevé cette question très importante de l'impunité. Comment ? Oui, excusez-moi. Je suis Karel Verheyken, directeur de publication du mensuel Nouvelle Solidarité. Voilà, donc vous posez une question absolument fondamentale qui est la question de la responsabilité et de la complicité, je dirais, d'une partie, je dirais aussi, du système économique et financier. Et ça m'a choqué un peu, c'est un peu absent dans le discours de M. Eskenazi, c'est notamment la question des paradis fiscaux, parce que nous avons un système financier qui est de plus en plus opaque. On pourra parler des crypto-monnaies, par exemple, qui représentent une opacité. On en parlera tout à l'heure. Ce que voulais juste, le problème de l'impunité, c'est qu'on a un système financier, notamment les paradis fiscaux ou les banques britanniques. Le rapport de Vincent Payon et de Montebourg en 2000 l'a amplement démontré, où il y a une capacité de blanchiment absolument fantastique.
En 2012, il y a une très grande banque qui s'appelle HSBC, qui a été nommée dans le rapport du sénateur Levin aux États-Unis, condamnée pour blanchiment d'argent de la drogue, pour blanchiment d'argent du terrorisme d'Al-Qaïda. Elle a été condamnée donc en 2012. En fait, aucune sanction pénale, personne n'a été mis en prison. En final, la banque a payé 1,9 milliard de dollars de pénalité et elle continue son activité. Donc pourquoi il n'y a pas la suspension des licences bancaires dans ce genre de cas? Voilà, je laisse le débat. Merci. Nous poserons la question tout à l'heure aux représentants de Tracfin et de Gafi. Je pense qu'il répondra à votre question, je ne l'oublierai pas. Votre propos est pertinent sur ce point précis. Panama Papers, des centaines de milliards de dollars ou d'euros blanchis par les grandes banques. Sur la contrefaçon, j'ai des questions à poser. Oui. Madame. Bonjour, Caroline Marie Valeo. Je m'interpelle parce que quand j'entends ce que dit Delphine et M. Eskenazi, on se rend compte qu'en fait, il faut prendre le sujet très en amont et où on en est de l'éducation de nos enfants par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, acheter une paire de baskets Nike à 50 euros ou 150 euros, ben, finalement, ils se disent ben, c'est pas très grave. Et je me dis juste qu'en vous écoutant Delphine à nouveau, et même Nicolas Eskenazi, on devrait aussi intégrer le système de l'enseignement pour indiquer à nos enfants qui aujourd'hui passent énormément de temps sur leur smartphone, ben, que quand ils achètent quelque chose à bas prix ou pour faire comme les autres, et ben, y a aussi derrière tout un financement du terrorisme qui est impliqué. Donc c'était juste en fait une petite... Je peux répondre. Merci beaucoup pour votre question. Deux éléments de réponse. Le premier élément, c'est qu'aujourd'hui, d'après une étude IFOP, 37% des gens qui ont acheté de la contrefaçon pensaient acheter un produit authentique. Ça veut dire à peu près 1 sur 3. Donc, il y a aussi des jeunes qui pensent acheter des produits authentiques en ligne, derrière, avec leur smartphone, et qui achètent une contrefaçon. Un deuxième point... L'UNIFAP, depuis un certain nombre d'années, travaille, ou en tout cas essaye de travailler au mieux avec l'éducation nationale pour que le sujet de la propriété intellectuelle, du respect de la propriété intellectuelle, soit abordé à l'école. Alors, il y a différents lieux, enfin, il y a différents cours, il y a l'éducation civique, mais comme moi, je vois auprès de mes enfants, c'est 2 heures par an, donc on ne peut pas faire grand-chose. Ça peut être dans le cours d'économie, ça peut être au niveau de l'histoire. C'est des choses qui se font. Et alors, très bonne nouvelle, depuis l'année dernière, le sujet a été intégré au SNU, le Service National Universel, qui va devenir obligatoire à partir de cette année pour les classes de seconde. Donc, on intervient. Voilà, ce sujet a été intégré au Service National Universel, ce qui nous permet une sensibilisation des plus jeunes. Mais j'ai envie de vous dire que, de toute façon, l'éducation des enfants, elle doit être faite par les parents. Et donc, c'est aussi à nous, en tant que parents, de les sensibiliser au sujet. Merci. Nathalie Goulet, sur ce point, vous voulez dire un mot? Oui, je voulais vous dire que globalement, le Parlement intervient ex post. On a beaucoup de mal, et sur des sujets comme celui-là, que je pratique depuis quand même quelques années, il faut voir que la lutte contre le blanchiment, la fraude fiscale, etc., n'a progressé qu'à partir du moment où il a fallu lutter contre le financement du terrorisme. Mmh. Que les circuits se percutent, évidemment, les circuits du financement du terrorisme percutent la délinquance financière, mais en réalité, les vrais progrès de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, et je parle devant Charles Pratt, avec qui je travaille depuis 2010 sur ces questions dans cette maison, la lutte contre le financement, contre la fraude fiscale, n'a progressé que grâce à la lutte contre le financement du terrorisme. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a beaucoup de difficultés sur un sujet qui apparaît effectivement économique et pas criminel, à sensibiliser même les parlementaires. C'est-à-dire que quand il faut améliorer un texte, il y en a un en navette depuis, je ne sais pas combien de temps il faut pour traverser le boulevard Saint-Germain, mais celui-là met beaucoup de temps. Qui a été adopté à l'unanimité pourtant, hein, à l'Assemblée nationale. Oui, mais qui est encore dans les couloirs. Qui n'est pas arrivé jusque-là. Et encore pas arrivé jusqu'à chez nous. Bon, donc ça veut dire que c'est un vrai sujet.
Ce sujet-là a l'air anodin, et vous l'avez dit et décrit de façon tout à fait pertinente, et on a beaucoup de mal à faire le lien et à le mettre comme un sujet prioritaire. Donc ce qu'il faut espérer, c'est qu'à un moment ou à un autre, on puisse arriver à avoir une niche parlementaire pour débattre de cette question et sensibiliser aussi les parlementaires, parce que vous avez parlé de la réglementation internationale. Je ne suis pas complètement défaitiste, mais enfin, les capacités de l'ONU ou des organisations internationales à maintenir la paix et la sécurité sur le globe sont relativement réduites en ce moment. Donc moi, je crois beaucoup à la réglementation nationale, la réglementation européenne. C'est pour ça que j'ai invité nos amis diplomates, notamment des pays de l'Union européenne, parce que c'est aussi leur sujet. Vous parlez de l'Italie et de l'Espagne, les plages de la Costa del Sol sont pleines de personnes d'Afrique subsaharienne qui vendent tout un tas de produits au vu et au sud absolument tout le monde. Tout le monde a été au marché de Vintimille, enfin ça pullule dans des zones qui en plus sont des zones liées à du trafic de migrants. Tout ça est le même sujet, et moi je vous remercie vraiment de défendre cette question que moi j'ai découverte en rédigeant mon livre sur le financement du terrorisme et qui est devenu pour moi un sujet majeur. Donc merci à vous. Merci. Monsieur, vous vouliez poser une question ? Je vous en prie. Oui, Romain Bessonnet, syndicat national des cadres des douanes. J'avais deux questions. La première, c'est, on a un vrai problème. C'est que, pour revenir sur le propos de la sénatrice Goulet, c'est que on n'a pas de définition européenne de la contrefaçon aujourd'hui, qui fait que ce qui est une contrefaçon en France, il n'est pas forcément en Italie, il n'est pas forcément en Espagne. Ça, c'est un sujet, c'est un vieux serpent de mer que l'on traîne depuis 20 ans, mais il faudra bien, enfin, je voudrais savoir si l'UNIFAB a une action au niveau européen de ce côté-là, parce qu'on voit qu'il y a certains gouvernements qui bloquent, notamment les pays d'Europe du Nord, qui sont un peu plus libéraux sur la question. Et on a un deuxième problème, alors là, je vais mettre une pierre dans votre jardin, c'est que la lutte contre la contrefaçon, elle n'est efficace que s'il y a une synergie complète entre les services de l'État et les opérateurs économiques. Il y a certains opérateurs économiques qui sont très, très volontaires et donc avec lesquels on travaille de façon très efficace, mais il y en a d'autres qui sont, je dirais, pour lesquels ce n'est pas une priorité, très clairement. Voire même, dernier problème, certains pour lesquels, des fois, ça peut être une politique de marketing. Donc je pense aussi qu'il faudrait qu'il y ait une action plus forte entre les entreprises et la douane pour que l'ensemble du secteur se sente impliqué et non pas que certains, que l'on ait une telle disparité en fait, qui fait que j'ai des collègues qui sont parfois assez découragés quand ils voient qu'on a une grosse saisie potentielle à faire et que l'entreprise qui est lésée estime que ce n'est pas vraiment sa priorité. Voilà. Alors, merci. Pour répondre à votre première question d'abord, la législation, en fait, la législation européenne, elle est assez claire. C'est la pratique qui est différente. C'est-à-dire qu'effectivement, les autorités répressives du nord de l'Europe sont un peu moins répressives dans le sud, mais elles sont aussi moins confrontées à la contrefaçon. La contrefaçon, elle est importée en France, en Italie, en Grèce, en Espagne, comme le disait la sénatrice. Donc, effectivement, pour eux, c'est peut-être moins une priorité parce qu'ils sont plutôt sur des trafics de drogue, mais la législation européenne est très stricte et très claire en la matière. Pour répondre à votre deuxième question, vous avez à la douane 1500 à peu près demandes d'intervention en douane. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement qu'une entreprise peut se faire référencer auprès de la douane pour que la douane puisse saisir ses produits de contrefaçon. Sur ces 1500 demandes d'intervention, vous avez peut-être 10 entreprises qui ne jouent pas le jeu. Et encore, je ne suis pas sûre que ce soit celles qui fassent des demandes d'intervention qui ne jouent pas le jeu. En tout cas, ce ne sont pas les entreprises adhérentes. Moi, j'estime qu'avoir 1% de brebis galeuses, ce n'est pas dramatique. J'imagine que 100% de vos douaniers ne sont pas des super douaniers non plus. Donc, on peut vivre tranquillement. Merci, Madame
Sarfati Sobrera, je vous remercie.